Bienvenue pour cette vidéo où nous allons tester à l'heure actuelle un métier que j'ai toujours voulu tester sur le CERA mais je me suis jamais donné l'occasion. Le métier mineur, donc au hasard, regardez, c'est carrément écrit au hasard. Hein. Argent, fer, mais nous on va faire spawn du gold, hein, ça c'est sûr. De l'argent, de l'or en bas, des pépettes, ça c'est sûr. Et donc c'est un métier mineur, donc il faut miner différents métaux pour revendre, pour faire la refonte, on doit fondre. Trier et tout, c'est un métier assez complet. Donc je me suis toujours donné envie de le faire, mais je me suis à chaque fois dit et fixé des limites en mode oh, pourquoi pas, je sais pas et tout. Donc maintenant c'est le moment ou jamais de prendre cette bouée de sauvetage et de sauver les meubles. Et je serai accompagné de l'empereur Freddy, un de mes joueurs qui est souvent banni. Ah, vous êtes souvent banni du Sarah, monsieur Freddy? Ah oui, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. C'était il y a un mois. Un mois, c'est quoi un ouais. Mois? Excellent. Bon, monsieur Freddy, vous allez me montrer comment ça marche tout ça, parce que moi j'ai jamais fait ça. Bah ça tombe bien parce que moi non plus. Ah bah on n'est pas baisé. C'est quoi ça? Donc en gros... On casse tout là. Ok, donc là je vois, il y a des niveaux de pickaxe. Donc à un moment donné, plus que tu montes de niveau, mieux c'est. Donc là on est en train de récolter du charbon. On a peut-être besoin. Mais est-ce qu'on peut faire que ça soit automatique? Miner du charbon pour moi, monsieur. Monsieur l'empereur, je prépare tout d'ici. Voilà, j'ai préparé un truc comme ça, histoire qu'il n'y a personne qui vient nous embêter. C'est parti, ça c'est sûr. On va mettre des lights, peut-être pas rose, peut-être blanche. Voilà. Donc faites du bruit, monsieur Freddy, là. Partez avec votre pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mining en trance, c'est quoi ça? Ah, donc ça, c'est carrément, je mine, c'est une mine automatique. Viens voir, Freddy! On a le melter, ça c'est pour faire fondre, ça j'ai déjà vu des joueurs faire fondre du minerai grâce à ça. Ce qui est vraiment très stylé hein, de faire fondre avec ça. Mais vous êtes complètement débile, regardez là. Donc là, ah ok, donc là faut mettre du charbon. Mets ton charbon ici, ici, faut... c'est pour faire marcher la machine. Pour faire fondre le charbon. Ah mais moi j'en ai moi du charbon, regarde. Hop là, sorti de mon cul le charbon. Et là, comme par hasard, moi j'ai une caisse d'or. Pousse-toi avec ton vieux... L'autre, c'est du charbon, il veut brûler du charbon. J'ai vu des cons dans la vie, mais alors lui... Est-ce que vous êtes professionnel, monsieur, du mining? Ouais. Ah bah ça tombe bien, venez. Je suis professionnel du mining. On vous prend alors, là. On va vous prendre. Allez, tu es un débutant. Non, sortez de là. Vous êtes professionnel, descendez de l'auto, on a besoin de vous. Ouais, ils se sont fait violer, là. Comment on fait pour faire du mining? Dis-nous. Je t'explique tout. Alors, premièrement, Je touche pas à mon or. T'as combien sur toi? Il a voulu voler mon or. J'ai plein d'argent, monsieur. Comment ça marche, Aria? Je vais te le faire dans les... On ferme ça. Alors, d'abord, tu t'achètes un truc qui s'appelle, je sais plus trop comment, mais qui coûte... Non, c'est de la merde, achète pas ça. Mais oh, tu vas rentrer dans la mine, là. Tu vas me chercher les minerais de... J'adore le 3D 2D quand ça rentre à l'intérieur. C'est un truc que tu peux mettre sur tes minerais. Ok, oui. Ça, le melter là. Ça, tu vois, ça va être utile parce que ça, c'est ce que tu vas devoir mettre dedans. Genre, achète ton truc là que t'as en main qui ressemble à un C4. Un builder. Ah, oui. Ah, c'est vrai que ça, c'est très important. Voilà. Et dans ton builder, t'as une machine qui coûte 1000 ou 1500, qui est bizarre. Un truc comme ça. Puis ça tourne légèrement. Une triangulation. Ça tourne et ça redescend. Un triangle rectangle. Une triangulation, mais version côté arrondi. Mais l'intérieur, regarde. Dans quel sens? L'écran, dans quel sens? Je sais pas, mais là, ici, tu le mets comme ça, il faut qu'il soit par là, le truc. Pauvre con. Ça va pardonner. Enfoiré de Rick de merde, c'était coincé dans le toit. Écoute, tous ces problèmes. Voilà, maintenant tu vas acheter un truc qui ressemble et qui s'appelle avec du charbon là. Genre c'est plus à droite. Une triangulation inversée là. Je sais pas, mais. Qu'est-ce que j'en sais? Ils se ressemblent tous. Non, il y a des vidéos sur YouTube. Des vidéos sur YouTube. Comment ça, des vidéos sur YouTube? Enfoiré. Mais comment je sais c'est lequel le charbon? Celui-là peut-être? Bah voilà, et c'est pas compliqué. Et voilà. Maintenant, ton truc de merde, là, tu vois, oui. Ça c'est du charbon, tu le mets dedans. Oui. Hop, oh! Ça va le transformer. Ça va faire une transformation. Vite, achète une petite caisse. Un raffineur. Tu me mets la pression. Dépêche, tout va partir, t'auras plus rien, go. Et une fois que je suis parti, on m'arrête plus. D'excellence. Donc là, les 15 kilos, là. Les 15 kilos, est en train de te transformer. Ah, ok. Ça, c'est du charbon qui se transforme en charbon que tu pourras mettre dans la machine là. C'est beau. Et le truc en or, ça sert à quoi? Quel truc en or? Ben, ça, c'était un truc qui servait avant, mais comme il n'y a plus d'or, ben, ça sert plus à rien.
Monsieur, faut jamais faire ça. Pourquoi? Tu t'en mets plusieurs à côté, ta machine elle va se bloquer, tu pourras plus jamais utiliser. Je l'emmerde la machine. Nous celle qui décide qui se bloque. Et c'est moi qui décide, c'est qui le chef ici? Maintenant ça, tu prends, tu mets dans ta machine de merde. À l'arrière? Ça se met plus, regarde. Et voilà, ça se met plus, ça se met plus. Suis-moi. Ça se met plus, ça se met plus, ça se met plus. Voilà, c'est la machine. Il me l'avait pas dit ça. Je viens, mec, il court avec sa caisse. Ouh. Prends ta pioche. Je pète tout. Pour 1 kilo, c'est ça? Ouais, allez, 3 kilos. 3 kilos, c'est toi qui pèse 3 kilos, salope. Ouais, je suis pas normal. Sale obèse. Go. Faut que je remette ça dans le mitigeur là? Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu me mets dedans et tu te poses. Ok. Maintenant, okay. Avec un peu de chance. Bon, lève ça. Mais si, ça sert. Non, ça c'est du bruit, ça n'aura pas avant des années. Moi j'ai ce que je veux, je claque des doigts, je l'ai le bronze. Maintenant ça, hop, tu mets deux, le deux. Ok. Faire du charbon, faut que ce soit au max, hein. Ah ouais, non, faut que je le fasse au max. Quoi? Ouais, quoi? Impérator, au travail. Oh putain, il a mort. Dépêche-toi, c'est pareil. Tout à l'hôpital. Oh, j'ai trouvé 25. Oh là là, 25 kilos de fer. Oh là là, quel hasard. Oh, quelle chance. Mais arrête de toujours débrancher les trucs! Impérator! C'est pas son nom! C'est bon, on a ce qu'il faut! Ah, faut savoir. Je trouve que c'est marrant en vrai. Ça à farmer, je trouve ça trop marrant. C'est beau, oh là là! Donc en gros, ouais, il me faudrait de l'or, hein. Ce serait stylé de l'or. Est-ce que l'or ça marche bien ou pas? Est-ce que ça a bien emmené jusqu'à l'or là? Parce que le truc est rouge quand même, hein. Argent, si ça marche. Le chat, Billy, bute le chat. Prends-le de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils font? Mais vous êtes pas en train de travailler là? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça marche, ouais, ce truc. Le truc qui est bugam. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle. Tu me rappelles? Moi, à chaque fois, ouais, donc en gros, tu mets plein de trucs sur la machine et après, elle va te trier. Elle va tout mettre dans des petites caisses comme ça. Et ça, c'est beau quand même. Ça, c'est beau. Regardez, hop, l'argent. D'ailleurs, j'ai jamais demandé de l'argent là. Mais depuis quand il y a un chat? Oh putain! J'avais dit de buter le chat. Ça va aller dans la fonderie, ça, ça je te le dis. Un chapoté. C'est bon! Ah bah voilà, ça marche. Le chat est cuit! La petite boîte rouge maintenant. Achète la petite boîte rouge qui se trouve dans ton menu. Vite, mets-la devant. Oh! Allez! Ok, caisse de lingots. Tu vas voir quand je rends ça? Vous êtes quatre! Mais! Le Basile. Basile. Il est où Basile? On le retrouvera plus jamais. Bon bah désolé Basile. Si tu regardes cette vidéo Basile, je m'excuse. Y'a moitié. Qu'est-ce que vous faites? Toi, qu'est-ce que tu fais? Ok, je revends. Bon, y'a moins 25. Hop. I can't get this tune out of my head. $500. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. C'est plus rentable. De quoi c'est plus rentable, regarde. Hop, 50 kilos de... Le salaud, il a 15 de l'or. Il me faut du charbon. Bah, comme par hasard. Ah, mais ça, il y a 15 kilos de charbon, là. Voilà, là, on est bien, là. Hein. Ah, par contre, le... Mais normalement, on est bon, là, regardez. Dans l'eau. Pourquoi il marche pas, mon manuel? C'est normal. Là, il faut minimum 30 kilos de charbon. Ah bon, il se fout de la gueule. Hop là. Tiens, si seulement ça fonctionnait comme ça, faut t'attendre. Je serais pas vraiment chou. Laissez-moi, il y en a assez ou pas? Oui, c'est grave. Quel homme, quel son. Je suis vraiment un petit salopard. Vraiment une merde. Quoi? J'ai dit, c'est vraiment de la merde. Attention, ce doigt-là, il est boudiné. Hein. C'est sa force de manger. Ça, c'est pas. Non, mais pas trois, on met pas trois. Moi, je suis un fou, mais je vais remplir ces trois-là. Je vais les remplir, les trois. Attends, ça va se partager en trois. Par contre, avec l'aide qu'on t'a fournie, on gagne de l'argent ou pas? Oui, évidemment. Ouais. Freddy, il a dit 1,50 million. Il a dit, je vous donne ma parole. Mais il passer 400 dollars. Plus vite! Mais c'est long! Et ça sert à quoi? Ça sert à rien, donc. Si, c'est pour ce bruit. On va dire. C'est une petite mine. Mais ça, c'est un truc que tu dois mettre sur un minerai. Si tu le mets pas sur un minerai, ça sert à rien. Ah, ok. Excellent, ça. Merci pour ces bons conseils. Tu vas miner tout seul le minerai. Vraiment des bons conseils. Tenez, je vous donne une pépite d'or. Mais par contre, faut la chercher dans l'eau. Regarde, c'est pas une pépite d'or, ça? Mais ça vaut plus rien, Mais si. Le
revendeur il rachète plus d'eau. Ouais, vas-y, on laisse courir. D'où? Mais si, regarde, il va encore de l'or. C'est pas de l'or, ça, ce qu'il vend? Regarde, ce qu'il vend, c'est pas de l'or, là, en bas? Yeah, pardon me. C'est quoi le truc? En or? Yeah, pardon me. Oh, l'or, ça vaut tellement plus rien. Putain, attends, ça c'était minimum. Bah, c'est sûr, quand c'était pas réglé et que vous faisiez des couilles en or, normal. Je volais tout ton fric, ça vaut de mieux. Tu fais des millions. Tu fais des millions sur mon dos, vous avez vu ça? Ok, là, on est bien, là. Regardez-moi ces caisses en or, là. Ouais, il a mangé l'auto. Allez. Ça, c'est pas du travail, ça. Hein. Allez, plus vite. Cette machine prend trop de temps. Sinon, tout le monde a de l'argent. C'est facile, après. Hein. Non, je sais pas, je suis en full guillot, tu sais. Fut un temps, j'avais la pioche du dragon légendaire. Et maintenant, je me retrouve avec la pioche du villageois. Comment ça? Vous allez me dire que vous avez perdu tous vos niveaux, là? Bah oui. Moi, je me suis gif 30 niveaux, mais ça sera qu'après le reboot. Ça, c'est triste, non, non. Oh, le salaud. Un coup de pioche, la prise en deux, moi, je prends tout. Freddy aussi, je lui ai donné aussi, parce que c'est un bon copain. Hop, 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 je récupère mes caisses. Poussez-vous! Ah non, mais moi, je suis... Freddy, est-ce que ça va nous rapporter de l'argent? Putain, je l'ai mis au PNG. 27 000, bien, bien, bien. Faudrait en mettre un peu d'or, là. Oh, la Tesla du Basile! Oh! Non! Basile, il attend depuis une heure, ça. Je sais pas, elle est où là? Elle a bugué la Tesla, elle est partie. Incroyable. Bon, ce métier, je le trouve bien sympathique. Je sais pas ce que vous avez pensé. Bon, c'était une petite vidéo bien sympa pour vous montrer tout ça. On se retrouve vite fait pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, tous les mercredis midi et tous les samedis midi, une nouvelle vidéo. Ciao les gars, bye.